narcissique. Tic numéro 1. Alors avant de démarrer le numéro 1, il y a le tic narcissique absolu, appelons-le numéro 0. C'est quand on n'a rien à faire, qu'on se plante comme ça devant un miroir, une glace, un reflet, comme ça pour se regarder, s'observer, se regarder, s'admirer, contempler ses yeux, son nez, sa narine, ses poils d'oreille, pour se regarder, se regarder, pour se regarder, par pur plaisir de se regarder. Et ce tic du miroir, c'est le petit frère du tic numéro 1. Surtout dans la rue en longeant les voitures, la tête qui se regarde en passant dans le reflet du 4x4, de la Twingo, de la Xara Picasso, de la vitrine du boulanger, de l'écran de l'ordi, du bol de café, du miroir de l'armoire. Tic numéro 2, plus communément appelé le tic d'Instagram ou de Snapchat, c'est quand tu postes des photos de toi devant tout et n'importe quoi, toi. Toi. Tic numéro 3. Pas facile à repérer celui-là et pourtant il touche à peu près 89% de la population. C'est quand vous regardez des photos chez des amis, le regard du narcissique qui regarde uniquement sa tête à lui pour bien montrer que même une photo de famille devient comme un selfie. Avec bien sûr le fameux pouce index en éventail pour encore mieux zoomer sur soi-même. Puis c'était sympa de se retrouver tous. Vous avez pas changé, hein? C'était cool ce week-end. Avec les enfants, j'adore ton jardin. Il est petit, mais plein de charme. On voit qu'on est cousins quand même, hein. On se ressemble vachement. Hein. Ah ouais, tu trouves? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis beau. Hein. Tic numéro 4. Dans un restaurant, une soirée ou un lieu public, le regard qui regarde les autres, mais pas pour les regarder, mais pour bien regarder s'ils vous regardent. Et tic numéro 5, un des plus pervers, le fameux « j'ai pensé à toi » en début de phrase pour bien accrocher l'interlocuteur en lui faisant croire qu'on va parler de lui alors qu'en fait, on va parler que de soi. J'ai pensé à toi. J'ai nagé il y a 2 mois en plein mois d'octobre dans une eau turquoise à 29 degrés alors qu'à Paris, il en faisait 12. Ah, j'ai pensé à toi. Je me suis fait aborder l'autre jour par une nana en pleine rue. Bon, j'avais une bonne tête sans plus, tu vois, je suis jamais moche. Oh, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. J'ai perdu 2 kilos. Je me suis fait tatouer mon autoportrait sur l'omoplate gauche. J'ai pensé à toi. Eh ouais.